En 2020, un monument du football, entraîneur au palmarès bien étoffé, a fait ses adieux au terrain. Marcello Lippi a tout gagné. Outre la victoire de l'Italie en Coupe du Monde en 2006, c'est avec la Juventus de Turin que le coach transalpin a explosé. Il a vu émerger certains des plus grands joueurs de la planète, a guidé des jeunes talents pour les mener au sommet. Lippi, c'est la capacité à associer de fortes individualités au profit du collectif. Dans les années 90, il a remis la Juventus Turin sur le toit de l'Italie et de l'Europe. Une époque qu'on vous fait revivre le temps d'un instant entre admiration et nostalgie. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. En déclin au début des années 90, après le départ de ses cadres comme Platini, Rossi et Boniek, la Juventus engage d'importants changements. Parmi eux, l'arrivée d'un nouveau directeur sportif et de l'entraîneur de Naples, Marcello Lippi. Les finances sont dans le rouge, les spécialistes ne croient pas en cette équipe. Et pourtant, la vieille dame va, à la surprise générale, reconquérir un Scudetto. 9 ans après son dernier sacre, la Juve remonte sur le trône. Lippi a su mettre Ravanelli, Roberto Baggio ou encore Alessandro Del Piero dans les meilleures dispositions. Le club s'offre même un doublé avec la Coupe d'Italie, mais s'incline en finale de la Coupe de l'UEFA face à Parme. Marcello Lippi peut compter sur un groupe soudé et de grande qualité. Le coach italien est épaulé par ses valeureux soldats, parmi eux Antonio Conte au milieu de terrain, mais également Didier Deschamps. En attaque, Alessandro Del Piero étale toute sa classe et enchaîne les buts. Dans les buts, Angelo Peruzzi est infranchissable. Lors de la saison 95-96, la Juventus Turin retrouve les sommets européens en battant l'Ajax Amsterdam lors d'une finale mythique. Deux systèmes s'opposent, avec d'un côté le jeu à la hollandaise prôné par Louis van Gaal, de l'autre l'ADN du football italien avec une équipe rigoureuse et travailleuse à la Lippi. C'est au tir au but que les deux formations se départagent et que la vieille dame remporte la plus prestigieuse des compétitions. À l'été 96, une arrivée va illuminer le championnat italien, celle du prodige français Zinedine Zidane. Marcello Lippi le place au poste de numéro 10, derrière les deux attaquants, en fait le maillon fort du 11 de la Juve. Devant, Del Piero et Christian Vieri n'ont plus qu'à conclure les caviars du français. Les Turinois s'offrent la Super Coupe de l'UEFA, puis la Coupe Intercontinentale, avant d'aller chercher un nouveau Scudetto. Chaque année, le groupe entraîné par Lippi paraît plus fort. Filippo Inzaghi rejoint la vieille dame à l'été 97, Edgar Davids à l'intersaison. La recette du coach italien est toujours la même, une solidité défensive à toute épreuve, un créateur au milieu de terrain et des attaquants ultra réalistes. La Juventus Turin est habitée par la gagne et remporte, sans surprise, un nouveau titre de champion d'Italie, le troisième de l'ère Lippi. En Champions League, la Juve atteint la finale pour la troisième fois consécutive, mais s'incline face au Real Madrid. La saison 98-99 est plus compliquée. Marcello Lippi doit faire avec les blessures d'Alessandro Del Piero et de Zinedine Zidane, tout juste sacré champion du monde. Alors que le club est à la peine, Marcello Lippi annonce qu'il quittera le club en juin afin de prendre les rênes d'un rival, l'Inter Milan. Mais la parenthèse sera de courte durée. Un an et demi après son départ, Lippi revient à la Juve. L'équipe a bien changé, mais l'effectif reste de très grande qualité. À l'été 2001, l'entraîneur transalpin peut compter sur Gianluigi Buffon dans les buts, Pavel Nedved au milieu de terrain ou encore David Trezeguet en attaque. Grâce à un excellent duo en attaque formé aux côtés d'Alessandro Del Piero, l'attaquant français termine meilleur buteur de la Serie A. La Juve remporte son 26e titre de champion, le 4e pour Marcello Lippi. La saison suivante, le coach italien met en place un 4-3-1-2 permettant à Pavel Nedved de prendre le poste de numéro 10. La saison du Tchèque à ce poste est remarquable. Il est indispensable à son équipe, qui termine le championnat de nouveau en tête, loin devant ses concurrents. La Juventus est aussi éblouissante en Champions League. La vieille dame élimine notamment le Real Madrid et le Barça pour se retrouver en finale face au Milan AC de Pirlo. C'est la 4e fois de sa carrière que Marcello Lippi mène la Juve en finale de la plus prestigieuse des compétitions. Malheureusement, la suspension de Pavel Nedved, futur ballon d'or, va peser lourd. La Juve est battue au tir au but. Une véritable désillusion. Cette désillusion, elle va se poursuivre la saison suivante, la dernière du coach italien sur le banc des Bianconeri. En championnat, la Juventus Turin est à la peine, le club termine à la 3e place. En Champions League, les coéquipiers d'Alessandro Del Piero sont sortis dès les 16e de finale. En fin de saison, le coach italien se retire après être devenu le second entraîneur avec le plus de matchs dirigés sur le banc de la Juve, 405. Il rejoint le 7 juillet la sélection italienne pour la mener quelques années plus tard au sommet.
En quelques années à Turin, aux commandes de la vieille dame, Marcello Lippi a réussi à créer une véritable machine de guerre. Une équipe qui a marché sur l'Italie et l'Europe et laissé une trace indélébile durant les années 90. Zidane, Del Piero, Deschamps ou encore Conte ont largement contribué à ce succès, formant une Dream Team avant tout axée sur la solidité et une efficacité hors du commun. Un style de jeu que Marcello Lippi a ensuite mis à profit quelques années plus tard avec la sélection italienne, lui permettant de rajouter une Coupe du Monde à son immense palmarès. Aujourd'hui, le coach italien peut se féliciter d'avoir transmis le flambeau à certains de ses anciens joueurs, parmi eux Deschamps, Conte mais aussi Zidane, qui brille sur les bancs des plus grandes équipes européennes avec Marcello Lippi comme modèle. Et toi, si t'étais entraîneur, qui serait pour toi la référence? Si tu as kiffé notre vidéo, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!